Qu'est-ce qui se passe à Sénac? Alors aujourd'hui, c'était une journée importante à Sénac parce que ça a été la concrétisation en fait de la mobilisation de tout un village pour sauver un poste, sauver une classe, notamment une classe maternelle. Donc concrètement, l'association des parents d'élèves, toute la communauté éducative s'est mobilisée en faisant signer des pétitions qui ont été déposées chez tous les commerçants. Et nous avons eu à peu près d'un millier de signatures, ce qui donne une idée de la mobilisation et aussi de l'attachement du village en fait à l'école. L'école qui est tout un symbole, l'école c'est le cœur d'un village, c'est une respiration, puis c'est aussi c'est toute une promesse. Et à côté de ça, en tant que maire et avec toute l'équipe municipale, nous avons dans le même temps adopté une motion au conseil municipal du 10 avril contre la suppression de ce poste. J'ai donc saisi à plusieurs reprises les autorités académiques pour leur faire part bien sûr de l'opposition formelle du conseil municipal, mon opposition en tant que maire, à la suppression de ce poste, qui en plus est annoncé comme une suppression d'un poste école maternelle. Ce qui en fait amènerait l'école maternelle à n'avoir plus qu'une seule classe avec un effectif de 47 enfants. Donc nous sommes complètement dans une situation qui est assez surréaliste. Donc la mobilisation d'aujourd'hui, elle a un petit peu eu comme rôle et puis comme objectif, et ça a été, je pense, bien atteint, de sensibiliser en fait non seulement les autorités académiques, mais aussi tout l'environnement sur ce qui était quand même, pouvait être fortement préjudiciable à terme à l'intérêt des enfants. Donc, ce matin, très forte mobilisation et cet après-midi, une rencontre vient d'avoir lieu ici dans la salle du conseil municipal avec les autorités académiques, l'inspecteur, et nous sommes parvenus à avoir un accord disant que le poste pourrait être maintenu sous réserve donc d'un maintien de l'effectif actuel, voire 2-3 élèves de plus que nous aurons à la rentrée. Un total d'élèves de combien donc ? Alors, nous sommes actuellement sur un effectif de 153 élèves et si nous parvenons à 156, nous avons quasiment la certitude d'avoir le maintien du poste et nous devrions parvenir à ce chiffre-là puisque nous avons la livraison de 11 logements sociaux d'ici la fin du mois de juin et donc 11 familles qui vont aménager début juillet à Sénac, donc potentiellement nous avons des enfants en âge d'être accueillis à l'école et qui vont venir compléter cet effectif. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous vous présentez s'il vous plaît. Sarah Banover-Strakten, membre de la VE, l'association des parents d'élèves de Sénac. Alors, vous sortez de réunion avec M. Ortolier, je crois. Qu'est-ce que vous avez, comment avez-vous perçu cette réunion? Moi personnellement, je pense que c'est positif. On ressort avec avec du positif, me semble-t-il. Par contre, on n'a pas de réponse concrète. On va passer sur une annulation de fermeture. Donc, c'est déjà positif. C'est déjà très positif. Maintenant, on va pas en rester là non plus, on va continuer nous à se battre jusqu'à ce qu'on ait une réponse positive, concrète et écrite. Voilà, et écrite. Mais on part, on est dans une réunion déjà un petit peu au départ. Avec le sentiment d'avoir été enfin entendu par les autorités. Moi je pense que c'est donc très positif à mon sens. Et votre combat irait jusqu'où alors? Jusqu'au faut dormir maximum. À l'école. On fera tout ce qu'il faudra pour pas que l'école, pour pas que la classe ferme. D'accord. On est très très motivés.